俺唯一の友よ。Hey, salut les Shinigami. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien déjà. Et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la thématique manga. On va parler un peu de manga. Alors pas tout à fait dans la thématique animé ou manga, mais plus mode. Donc on va parler de vêtements, fringues, sap. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'il y a Uniqlo. Qui a une collection spéciale manga en ce moment parce qu'en fait il y a les 50 ans du Weekly Shonen Jump, donc c'est le magazine japonais de prépublication, enfin un des magazines parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà c'est le plus connu sur moi. Donc il faut être leurs 50 ans et ils font plein de trucs, notamment il y a un jeu vidéo l'année prochaine. Donc là pour parler de la collection Uniqlo, d'ailleurs je porte un des t-shirts. J'en ai acheté quelques-uns il y a 2-3 jours. Donc là, il y a Naruto. Hein. Il y a plein de t-shirts sympas. J'avais vu du Dragon Ball, du One Piece, du Naruto. Et aussi du My Hero Academia en boutique. Par contre, sur Internet, j'ai pas vu... Parce que là, j'ai vérifié avant de faire la vidéo. J'ai pas vu le My Hero Academia. Alors, soit il faisait qu'en magasin. Soit peut-être du coup, il a été, ça a été la razzia sur Internet et il n'y en a plus. Donc en tout cas voilà, sur Internet il y a encore plein de modèles pour Naruto, pour Dragon Ball et pour One Piece. Voilà, si vous voyez la vidéo rapidement, n'hésitez pas. Si vous aimez ces licences-là, vous regardez sur leur site, les t-shirts sont pas très chers. Et du coup, donc il y a celui-là. Donc là, un Dragon Ball. Mais vraiment, voilà, époque Dragon Ball, hein, du début. J'ai trouvé super sympa. Et en plus, il y a même l'arrière. Et l'arrière, il est bien stylé aussi. Le petit logo des 50 ans du Weekly Shonen Jump. Et le second, en bleu. Hop, avec tous les personnages de Zian. Hein. C'était vraiment l'image de fin du volume 42. Voilà, profitez-en. Faites-vous plaisir maintenant parce que ça, c'est une collection éphémère. Ça va pas rester toute la saison. Et d'ailleurs, ils avaient commencé en mai. Et en fait, ils ont sorti des collections de t-shirts. Ils les ont sortis par vague en fait. Hein. Une grosse vague en mai, une grosse vague en juin, et là, c'est la dernière. Ah, donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À liker, à partager, parce que voilà, la chaîne elle est naissante, donc du coup ça fait toujours plaisir d'avoir un soutien, surtout partager, parce que partager ça permet de faire connaître la chaîne, et aussi commenter, n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des remarques à faire. Évidemment la chaîne je vais essayer de l'améliorer hein, parce que pour l'instant c'est le début, voilà, l'éclairage est pas au top, faut que j'achète du matériel, etc. Donc ça va venir petit à petit, puis moi aussi je vais m'aguerrir, parce que voilà, c'est un exercice aussi de parler face à une caméra. Mais c'est intéressant, l'aventure me plaît, m'intéresse. Donc pareil pour le montage vidéo, ça je devrais apprendre petit à petit. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup, et puis je vous dis à bientôt. Salut !